Au cours d'un voyage en Algérie en 1852, le peintre et écrivain rochelais Eugène Fromentin fait une rencontre qu'il décrit dans son livre « Un été dans le Sahara ». Je me rappelais avoir rencontré un jour un chef de tribu du Sahara de l'Est, rentrant chez lui, suivi d'une escorte assez brillante de cavaliers et menant en groupe un derviche. Ce chef était un jeune homme élégant, fort beau, émis avec cette recherche un peu féminine, particulière aux Sahariens de Constantine. Le derviche, vieillard amaigri et défiguré par l'idiotisme, était nu sous une simple gandoura couleur sang de bœuf et balançait au mouvement du cheval sa tête hideuse surmontée d'une longue touffe de cheveux grisonnants. Il tenait le jeune homme à bras le corps et semblait lui-même, de ses deux talons maigres, conduire la bête embarrassée sous sa double charge. Je saluai le jeune homme en passant, il me dit le bonsoir et me souhaita les bénédictions du ciel. Le vieillard ne me répondit point et mit le cheval au trot. C'est de cette anecdote que l'auteur s'inspirera quelques années plus tard pour réaliser ce tableau. L'œuvre fait partie de ces nombreuses toiles consacrées à l'Algérie qui font d'Eugène Fromentin l'un des représentants majeurs de la peinture orientaliste du XIXe siècle. Thank you.